Salut à tous, c'est Sprott, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 Online pour une présentation du nouveau véhicule, le tout premier véhicule blindé qui est sur GTA 5 Online, donc le Karim Kuruma. C'est ça ? Kuruma. Ouais, bah tu peux m'aider quand même. Non, Karima, Karima. Non, attends, au pire, on va savoir. Ouais, parce que à ma gauche, on a le véhicule blindé et à ma droite, le véhicule non blindé. Donc il faut savoir que c'est pas le même prix. Attends, je suis en train de faire des trucs avec des Ok. Donc je vais vous montrer ça donc sur le site internet. Ah oui. Donc tout d'abord, j'ai oublié de vous dire. Avant d'aller sur internet et de le chercher, ce fameux véhicule, le Karim Kuruma, il faudra faire le tout premier braquage. Sinon, vous ne pourrez pas débloquer ce véhicule. Voilà. Donc, ensuite, vous rendez sur Internet. Donc, pour ceux qui ont fini le premier braquage, donc qui ont fait la préparation plus le braquage. Donc, vous irez dans Voyage et Transport. Vous descendez tout en bas. Vous prenez le dernier lien. Donc là, je sais même pas ce que c'est. Je peux vous le lire. Hein. Voilà. Et là, sur la deuxième ligne et la première, donc pour la première ligne, ça sera le véhicule non blindé, donc qui sera à 95 000 $, ouais. Contrairement au véhicule blindé, donc qui lui est à 525 000 $. Voilà. Donc il y a vraiment une grande différence d'argent déjà pour commencer. Et voilà. donc après, je vais pas vous montrer comment on l'achète. Hein. Voilà, donc la vitesse maximum de 237 km/h, enfin bref, le poids 1,3 tonne, enfin bref, tout ça, je pense pas que ça vous intéresse beaucoup, savoir le poids de la voiture. Ah, on s'en fout, moi. Voilà, donc je vais aller la customiser, la mienne, parce que faut savoir que vous, dans le DLC des braquages, quand vous l'achetez, quand vous allez l'acheter, en fait, vous allez la recevoir comme ça. Donc, on va y aller. Oh, le bruit de la voiture, oh lolo. On dirait... comment ça s'appelle? On dirait une voiture... j'allais dire une voiture sans permis, mais... je me trompe tout de suite, là. Non. Une voiture électrique. Voilà, une voiture électrique. Non, t'as pas de bruit, là. Bah, si. New brakes installed. Bah, t'as vu, ça fait... Donc par choc, on a séparateur avant en carbone, 11 700 $. Ah oui, faut savoir aussi que les accessoires sur cette voiture sont extrêmement chers. Là, on voit bien le pare-choc avant, on est à 11 000 $. C'est pas donné pour ceux qui ont peu d'argent. C'est pour ça que dans la semaine, je vais vous sortir quelques glitchs d'argent illimité avec bypass. Comme ça, je pense que ça va mieux vous aider. Regardez-moi comment j'ai 12 millions à la banque. Enfin bref, je pense que vous le voyez en haut à droite. Donc après, niveau moteur, bon bah c'est à peu près toujours le même prix, hein, 33 000 $. Je pense que c'est ça sur toutes les voitures. L'échappement, 3 000 $, bon ça va encore, hein, c'est pas excessivement cher. Donc les upgrades, c'est rien. Les klaxons, alors ça c'est toujours aussi cher. Hein, les klaxons, 50 000. Voilà. L'éclairage, moi j'aime bien mettre l'éclairage en bleu, c'est pas mal. Voilà. La plaque. Les peintures. Classique. Classique. Moi je trouve qu'elle est belle en blanche, toi Antoine tu la préfères en rouge, hein, je crois. Hein. Ouais. Ouais. Rouge, rouge bite de chien, c'est pas mal. Non, c'est plutôt. Donc moi je trouve je trouvais qu'elle était pas mal en blanche. Elle est moche. La retrouver. Ouais, arrête. Ah, alors, je vais la mettre en rose vif, mon gars. Oh lolo. Oh, même en rose vif, elle est magnifique. Elle est moche. Donnez-moi vos avis, hein. Quelle couleur, enfin, quelle est votre couleur préférée sur cette voiture? Pour moi, ça sera le. toi c'est quoi, Anton? Rouge. Oui, rouge. Rouge. Rouge, Michel. Rouge.
Donc qu'est-ce qu'on a comme couleur? Voilà. J'ai l'impression de... d'avoir perdu ma... Ah non, métallisé. C'est bon, c'est... Voilà. Attendez, je sais même pas si j'ai pas perdu ma couleur là. Je sais même plus c'est quoi. C'était bien un blanc glacial, un truc comme ça. Ouais. C'était cool. Bah c'était le blanc. Parce que j'en ai racheté une autre pour le gameplay. Tout blanc. Ah oui, voilà, elle était là. Blanc glacier. Voilà. Donc en secondaire, je vais prendre du mat. Je trouve que c'est pas mal le mat. Un vert forêt, non. Ça c'est pas beau. Oh, oh. Blanc glacier. Ouais, allez, du blanc. Hop. Emblème de crew, non. Donc si vous voulez la vendre après, donc customiser, moi j'ai pas tout customisé pour l'instant. Donc pour l'instant elle se vend quand même 385 000 $. Donc je pense que avec le glitch d'argent en bypass, je pense que vous allez vous faire un max de pognon. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me répète, je vais vous le sortir dans la semaine. Je vais jamais y arriver ce soir. Hein. Donc en bas de caisse, qu'est-ce qu'on a pour 15 000 $? Ça commence vraiment à faire cher là. Par contre, pour ceux qui ont vraiment pas d'argent. Hein, Anthony, t'as pas d'argent. Moi j'en ai. Ah, les lerons. Les lerons, on dirait celui de la gesteur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fait lobby. Hein. J'en ai plus que non, toi, mais j'ai pas fait lobby. Oui, d'accord. J'ai monté tout seul. On y croit tous. Niveau 200 tout seul, toi. Donc, en type. Type de roue en jante de série. Ah oui, dans le DLC des braquages, donc dans la 1.22, donc là on est sur PS3. Faut savoir que sur la 1.21 il y avait extrêmement, je sais plus comment on dit. Voilà, de bugs. Donc Rockstar a ressorti une nouvelle mise à jour, donc la 1.22, pour corriger quelques bugs. Je dis bien quelques bugs parce qu'il y a toujours autant de bugs au niveau de l'appart à 400 000. Voilà. Donc dans ce DLC ils ont sorti aussi des nouvelles jantes, des jantes directement chromées. C'est super. Tout simplement. Il y a des jantes chromées. Ouais, les jantes chromées, regarde. Moi j'ai pas vu. Bah va au custom et regarde, jantes de série. Par contre c'est, ouais, c'est 80 000 $ les jantes chromées quoi. Mais c'est des malades. Voilà, moi je les ai pris. Ensuite, donc couleur des jantes, bah ça c'est déjà par des... Oh non, j'ai quitté le LS Custom comme un con. Attends, je vais re-rentrer. Bah t'as fait quoi? Voilà. Bah j'ai quitté sans faire exprès. Attends, je sais même plus où j'en étais. Ah si... Non, excusez-moi, il est un peu con. Hein. On était au roux. Donc les accessoires, bon bah après hein, la voiture elle est déjà blindée, donc je sais pas si les roues sont déjà blindées, ça reste à confirmer. Dites-moi dans les commentaires si vous les roues sont déjà blindées. Voilà, dans les fenêtres hein, pour que ça fasse mieux, moi je les mets en noir, noir, comme ça personne me voit, tu vois, au calme, je suis invisible. Voilà, bon. En plus, attends, vas-y, viens. Tu l'as pas customisé ta voiture ? Si. Ah ouais. Ouais, ça fait vraiment des belles voitures. Hein. Ouais. Vas-y, ça tire contre un braquage. Ouais, après on fait un braquage. Ouais. Oui, parce que tous les véhicules que vous voyez. Enfin. Tous les véhicules du DLC braquage. Il faudra les débloquer en faisant les braquages. Donc ce véhicule c'est le premier braquage. Et après je peux pas trop vous dire parce que je les ai pas tous fait. En plus j'ai eu un problème de mise à jour sur la 1.21. Je l'ai fait 3 jours en retard. Ça me mettait erreur sur la PS3. Je pense qu'il y a plein de gens comme moi. Je pense pas être le seul. C'est pour ça que j'ai pas pu sortir de vidéo le soir même. Donc mettez aussi dans les commentaires hein, si vous aussi ça vous a fait pareil, une erreur. Je sais même plus c'était quoi le code d'erreur. Enfin bref. 00. Mettez dans les. Un truc comme ça. Non, ça commençait par un 8, un truc comme ça. Non. Après, ça finissait par 76.
fin. Ouais, 76 à la fin, ouais. Donc j'ai été vite fait sur internet, j'ai été recherché pour voir ce que c'était comme code d'erreur, quoi. Et on nous a dit. Ouais, trop de monde sur la mage. Trop de monde qui faisait la mise à jour, quoi. Donc du coup, bah, je l'ai fait la nuit, quoi. De 1h du matin jusqu'à. Bah, après, j'ai dormi, hein, donc je peux pas vous dire quand est-ce que c'est terminé. T'as dormi à 1h? Bah, fallait bien. Hein. Sinon, aujourd'hui, je l'avais pas. Déjà, je sors 3 jours en retard les vidéos, donc. Voilà. Donc on fera certainement, c'est pas certainement là, c'est une fois que la vidéo sera terminée, on va tourner des braquages en ligne. Donc on va faire des braquages en live. Donc je pense que là je me suis arrêté au braquage, au deuxième braquage. Je pense que je vais vous le faire en live avec Antoine et Julien. Et peut-être soyez là, je sais pas, je vais voir s'il est là. Voilà, donc moi je vous laisse sur ces images, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.